je me suis souvenu que, pendant la guerre, il y avait eu à la radio un petit feuilleton radiophonique où il y avait un type, j'avais 11 ans, 12 ans, où il y avait un type qui demandait à un détective privé de suivre sa femme. Et ça m'avait frappé, je me dis, tiens, c'est curieux, j'avais à l'époque une notion de la famille extrêmement simple et non conflictuelle, et là, ça me paraissait très, très étrange. Et ça m'avait frappé à l'époque, bon, après je l'ai oublié, et puis ça m'est revenu comme ça, je me suis dit, tiens, je vais faire un film tout bête sur le coquillage mais d'une manière qui n'a jamais été traitée, c'est-à-dire les liens qui se renouent dans la séparation et dans les machins. C'est que plus les personnages se retrouvent séparés, plus ils sont noués. Et voilà, c'est né comme ça, sans gros problème. J'avais pas travaillé avec Paul Jégoff sur ce film, et c'était la première fois depuis longtemps. Alors, quand je l'avais montré, il m'a dit il m'a dit une phrase très très simple, il m'a dit pourquoi as-tu peur que Stéphane te quitte. J'avoue que c'est une chose qui ne m'était jamais passée par la tête. C'est-à-dire qu'il a cru qu'il y avait une part autobiographique ou quoi, alors que, mais vraiment absolument pas. Ça m'a donné à réfléchir. Je me suis dit, tiens, ça prouve que finalement j'ai dû toucher quelque chose d'assez juste dans les rapports entre mes femmes, parce que, dans les rapports de soupçon, je ne suis pas soupçonneux, je ne suis pas jaloux de tempérament, donc ça m'est très difficile d'être soupçonneux. Et il se trouve que. Lui, Paul, était un peu soupçonneux, et il a ressenti ce principe de soi. Alors, j'étais content parce que je me suis dit, ça au moins c'est réussi. Monsieur Victor Pugadin. C'est quel sujet? Rassurez-vous, je ne suis pas représentant, ni un tapeur, ni un quêteur, ni un huissier. Ça me rassure, mais ça ne répond pas à ma question. C'est extrêmement difficile de répondre à votre question. Par exemple, si je vous dis qui je suis, vous allez vous tromper sur le sens de ma démarche. Mais dites-le quand même. Je suis le mari d'Hélène. Tout le sujet, enfin toute une partie du sujet, est résumée par le dernier plan. C'est rare. Et résumée même par un effet technique. Et ça, c'est une chose que j'ai jamais réussi à refaire. C'était un miracle, mais... On ne sait pas s'ils s'éloignent l'un de l'autre ou s'ils se rapprochent. C'est un truc d'Hitchcock qui m'a donné l'idée, c'est un truc que je trouvais raté. C'est dans Vertigo. Il y a à la fin de Vertigo, quand il monte les escaliers, il y a un petit mouvement, avec un mouvement arrière, avec un zoom avant brutal. Mais ça, je trouve ou le contraire. Non, je me souviens plus. Je trouvais ça complètement raté. Et alors, je me suis dit, je vais réussir ce que le Peritsch a raté. Et à ma grande surprise, c'était le cas. C'est mieux que les
que les zooms contrariés de Vertigo.